Merci de votre contribution. Nous allons passer la parole à Son Excellence le Président du Parlement de la CEDEAO, M. Mustapha Cicelo. À vous la parole, M. Cicelo. Merci de votre contribution, de votre présence. Vous avez été vous-même présent tout au long de cette journée et vous avez contribué avec nous dans le cadre de ce workshop. Et nous sommes très sensibles à votre belle contribution, à votre autre contribution à nos travaux. Merci. Excellence, Monsieur le Président Thomas Yayi Boni, ancien président de la République du Bénin, Monsieur le ministre de la Coopération africaine du Maroc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Cap-Verdé, Monsieur le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Ferri, Monsieur le Wali de Tanger, Monsieur le gouverneur de Tanger, Excellences, représentants du corps diplomatique présent, distingués invités en vos titres, grades et qualités, je voudrais commencer par rappeler que le Parlement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se réjouit par ma voix de prendre la parole à cette 11e édition du Forum MEDES sur le thème « À l'ère de la disruption, bâtir de nouveaux paradigmes ». Je réitère mes remerciements aux organisateurs, en premier rang duquel M. Ibrahim Fassi Ferri, président de l'Institut Amadeus, pour l'aimable invitation qui m'a été adressée et transmet à l'ensemble des participants mes chaleureuses salutations et tous mes voeux de succès pour ce forum. Permettez-moi aussi d'exprimer mes vives félicitations au comité d'organisation pour la parfaite bonne organisation de ce forum, ainsi que mes remerciements pour l'accueil et toute l'attention dont ma délégation et moi font l'objet depuis que nous foulons le sol marocain. Monsieur le Président, le choix du thème ainsi que la très belle ville historique de Tanger, idéale pour discuter de l'approfondissement de la coopération entre les pays du Sud, mais aussi de la coopération avec les pays du Nord et pour en appeler collectivement au partenariat équilibré, durable et rénové entre le Maroc d'une part, l'Europe et l'Afrique. Cette thématique, je l'espère, sera source de réflexion et grenier d'idées pour contrer les ruptures observées sur les plans diplomatiques, économiques et sociaux de notre monde contemporain. Le Forum MEDES, depuis une décennie, a su montrer qu'il avait une capacité à se saisir très tôt des thèmes au cœur de l'actualité internationale, en lien avec la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce forum, qui constitue un temps fort de l'agenda annuel des grandes conférences, a pour vocation la promotion et le renforcement de la coopération des échanges Sud-Sud sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Rendez-vous incontournable des acteurs mondiaux des sphères politiques, économiques et géostratégiques, les angles principaux de réflexion, d'échange et de débat du Forum MEDES 2018 nous permettront d'aborder d'abord l'intégration régionale et continentale, les défis sécuritaires en Afrique, les nouvelles dynamiques de coopération et les enjeux économiques et diplomatiques face aux disruptions de l'ordre international. Dans ce contexte, où notre continent fait face aux enjeux migratoires et sécuritaires, nous devons être capables de répondre aux défis globaux et complexes qui nous interpellent tous. Le Parlement de la CEDEAO a conduit une mission d'information sur les chemins de la migration à Agadez, en République du Niger, pour mesurer concrètement l'ampleur du phénomène migratoire qui constitue aujourd'hui un frein au développement. Ainsi, nous avons pu rencontrer les migrants et les réfugiés qui se trouvent dans cette localité et aussi sensibiliser les jeunes Africains qui essaient de passer par le Niger pour rejoindre d'autres horizons.
dans des conditions extrêmement difficiles. Les conclusions de cette mission d'information seront approfondies au cours d'un séminaire en début d'année 2019, février, le 26 février, et les recommandations de la représentation communautaire seront transmises aux plus hautes autorités de la CEDEAO et de ses partenaires. S'agissant de la zone de libre-échange continentale, j'ai estimé que les partenaires de la CEDEAO que nous sommes, acteurs principaux de la démocratie à l'échelle nationale et régionale, devraient avoir la primeur de l'information pour s'approprier de cet outil et accompagner nos gouvernants dans le processus de développement de l'Afrique. C'est pourquoi le Parlement de la CEDEAO a organisé en septembre dernier à Abidjan un séminaire parlementaire dont l'ultime but était de renforcer la contribution du Parlement communautaire au processus de construction d'intégration régionale et africaine. La mise en place de la zone de libre-échange continentale ZLEC, aboutissement d'un long processus, constitue un grand pas vers un marché unique africain. Elle permettra entre autres de disposer d'une force de négociation renforcée auprès des partenaires extérieurs au continent et de promouvoir un commerce intra-régional en supprimant les barrières tarifaires et non tarifaires. Elle permettra également d'appuyer le développement régional par un effet de diversification et d'industrialisation soutenu est basée sur une complémentarité renforcée des secteurs et des infrastructures pour un marché potentiel de 1,2 milliard de personnes. Le lancement de cet ambitieux projet suscite une forte attente et de nombreux espoirs pour le développement de l'Afrique. Monsieur le Président, messieurs les invités, à cette période de bouleversement géopolitique, il est important de donner un nouveau souffle et de renforcer la voix de notre continent. Eu égard au contexte international, il nous paraît vital de faire en sorte que des pôles de stabilité puissent structurer l'ordre international. L'Afrique doit être de cela et l'axe Europe-Afrique sera un axe essentiel pour faire face au développement de crise dans un contexte où le leadership mondial est plongé dans une forme d'imprévisibilité. S'agissant de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, l'accord de principe donné par les chefs d'État est un pas important vers l'assimilation dans toutes ses composantes de notre politique d'intégration régionale. Monsieur le Président, distingués invités, je souhaiterais conclure mes propos en remerciant Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour sa volonté manifeste et son travail sans relâche pour l'intégration africaine. Je remercie également l'équipe de l'Institut Amadeus d'avoir une fois de plus honoré le Forum MEDES par son haut patronage et par son soutien. Je vous souhaite plein succès à nos délibérations. Merci, thank you, obrigado. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette allocution et merci aussi pour votre soutien à cette belle dynamique entre le Maroc et les pays membres de la CEDEAO. Je rappelle que vous êtes le président du Parlement de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, avant d'accueillir mon dernier intervenant et mon dernier invité pour cette cérémonie d'ouverture, je voudrais vous dire que nous allons juste après passer à une deuxième partie de nos travaux. Et en fait, ça sera un travail tout particulier parce que nous sommes dans une soirée de gala. Et nous allons vous proposer un moment de célébration. Nous allons célébrer une grande dame. Nous allons célébrer la contribution d'une grande dame au soutien à l'autonomisation des femmes, au soutien de la question féminine. Et je voudrais être très honnête. En pensant que nous allons célébrer une dame juste après, je suis extrêmement gêné de voir qu'il n'y a une problématique de genre sur scène. Mesdames, pardonnez-nous de ne pas avoir gardé une place pour vous, mais je pense qu'il faudra corriger ça pour les années à venir. Monsieur le Président Brahim Fassi Ferri, il va falloir qu'on corrige ça, mais on va essayer de se rattraper dans la séquence qui suit.